Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, présentation de map. Euh, ce jeudi les amis, nouvelle présentation de map euh, qui est sortie il y a déjà quelques temps. Que honnêtement les amis, j'étais passé un petit peu à côté. J'ai vu cette map-là pour tout vous dire dans le live de NRJ5 euh, ce vendredi dernier je crois. Et c'est une map qui est, qui est vraiment sympathique, qui est vraiment toute petite. Map française, bien sûr, je tiens à le dire. Euh, la beuvejoise, donc qui est vraiment... C'est vraiment sympa, donc oui la map est vraiment toute petite, hein, mais le PDA est très bien fait, il n'y a pas de souci. Euh, vous avez les vaches et les cochons sur cette map là, je pense pas que vous ayez les poules, je les ai pas vues. Euh, une petite cop, voilà. Euh, en même temps vu la taille de la map, vous pouvez pas avoir 50 000 trucs non plus. Et vous avez une cop qui regroupe un petit peu tout. Enfin, euh, bon, C'est tout ici, voilà donc c'est pas mal. Euh, on va avoir là, on est au niveau du concessionnaire, on est ici donc je vais vous montrer, les amis, euh, de quoi ça se compose. Euh, mais c'est vraiment une map qui est vraiment très très jolie, très bien faite, vraiment typée française. Donc c'est une map. Alors attendez, voilà, j'ai vu quelques petits trucs que je vais vous dire avant sur cette map là. Euh, donc bien sûr, il faut respecter les Voilà euh, pour ceux qui sont au niveau des réglages, pour ceux qui tournent en moyen, apparemment, il faut faire tourner le jeu en élevé. Voilà, sûrement vous sûrement devez avoir le même problème que sur Belgique Profonde, peut-être que le, le jeu plante ou je ne sais pas, enfin moi je suis en élevé donc du coup je ne sais pas trop. Euh, voilà, et puis après c'est donc, la map vient de Corentin, le, le Farmer70, sur une chaîne YouTube, donc il y a Corentin pour le Farmer70, et Guigui Gigi, Gaming, voilà, donc ils ont apparemment des chaînes YouTube, je vous invite à aller les voir, d'ailleurs et à a, a les remercier dans l'espace commentaire, je pense qu'ils si regardent leur vidéo bah merci à vous les, les gars, ça fait, ça fait bien plaisir donc, franchement, une map très très belle, euh, très sympathique, euh, facile à jouer, je pense, pour du solo qui est parfaite pour du solo. <coughs> mais après, du multi, pourquoi pas aussi Vous pouvez mettre euh, à deux, il y a deux fermes. Donc, ça peut être pas mal aussi, euh, même à plusieurs, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, mais euh, c'est vraiment une map qui est, qui est très belle. Donc, euh, uniquement, bien sûr, sur PC, pas dispo sur console, malheureusement pour vous, les gars. Euh, mais voilà, donc ici, nous avons nos concessionnaires, concessionnaire, Jeune d'Air. Concessionnaire oula, 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 ralentis il se ralentit. Voilà. Concessionnaire jeune d'air fort sympathique, bâtiment qui s'intègre super bien, petit bâtiment bien sympa. Ici vous avez de quoi remplir, de mettre de. Mince ah, de quoi remplir le... Ah oh, en carburant, pardon, je vais y arriver. Euh, de base, quand vous commencez la partie, vous avez le petit Fenwick qui est ici. Voilà les véhicules. Euh, voilà, donc vous pouvez monter dedans, bien sûr, il n'y a pas de soucis, hein, il fonctionne. Hein. Il fonctionne, vous pouvez monter dedans. Donc euh, petit atelier et tout, donc bien, bien sympa, franchement, regardez. On va reprendre un peu d'altitude, mais tout est bien agen agencé, je trouve. Tout est simple. Enfin, euh, simple, tout est, tout est simple mais très bien. Enfin, franchement, c'est ce que j'aime donc euh, vraiment sympa. Ici, vous avez un... Alors, c'est quoi C'est un champ Ça, c'est. Euh... Ouais, faut peut-être le travailler. Euh... Ouais, c'est qui bizarre, j'ai Je... pas vu ça. Euh... Ouais, apparemment, ce sera un champ parce qu'après. Euh... Tic tac, tac, tic, tic, tic. Ouais, il faudrait l'acheter. Ouais, donc euh, ouais C'est sûrement un champ aussi, bien sûr. Vous pouvez tra sûrement travailler derrière. Euh, dites-moi les amis derrière dans l'espace commentaire si vous voulez qu'on fasse une petite série sur cette map là ou pas. Euh, là, là-dessus, les gars, c'est vous qui me dites, franchement. C'est vous qui me dites, mais euh, pourquoi pas. Franchement, j'ai testé un peu la map et moi je dis pourquoi pas. Après, c'est vous qui voyez. On est sur la map également Marwell Manor Farm. Euh, mais pourquoi pas le jeudi euh, faire une petite série sur cette map là. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vu qu'il n'y a pas non plus énormément de maps qui sortent. Donc ça peut être sympa. Ici une petite forêt toute simple mais qui euh, a bien sa place, qui est très bien, qui a un petit étang ici. Non franchement c'est propre. Moi j'ai pas grand chose à redire de ce côté-là. Tout est, tout est très simple, mais voilà. La forêt est en fonction de la taille de la map. Elle, elle est pas très grande, donc elle est très très bien. Donc franchement c'est cool. Moi j'aime moi, bien. Vous avez pas mal de petits champs. Euh, un petit village ici. Donc là on va arriver sur la ferme des vaches les gars. Ici. Ah peu là je suis dans le... J'étais dans le philo, ok. Euh, donc, petit village ici avec des, les petites maisons qu'on a de, de base sur le 19, je crois. Donc, plutôt bien, franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien avec une grande maison ici. Euh, le véhicule, voilà, c'est la voiture. Et ici, on arrive, les amis, au corps de ferme des vaches, corps de ferme principal en matière de la map, peut-être, avec les, les vaches. Vous avez tout ça en matériel de base quand vous commencez la partie. Voilà, j'ai rien rajouté, hein, bien sûr. Et vous avez quand même pas mal de petits bâtiments. Sur hangar en bois, qui est ma foi, fort sympa, J'ai jamais vu ce bâtiment. Enfin, il me dit rien ce bâtiment, mais il est très bien, franchement. Il est très bien ce bâtiment, moi j'aime bien. Euh, ici, vous avez de quoi rendre, mettre des, sûrement des cultures en vrac, par exemple. Euh, voilà, et avec ici tout ce qui est semences et fertilisants, on va dire le coin phytosanitaire, on va dire ça comme ça. Même si c'est peut-être pas trop énorme, mais bon, c'est voilà, le, le coin, on va dire semences et engrais. Voilà, ici encore des bâtiments pour ranger le matériel. Et ici, ici, un autre bâtiment métallique bon, qu'on connaît bien sûr, qui n'est pas nouveau, mais qui est, ma foi, fort sympa, qui s'intègre bien lui aussi. Et ici, un petit silo en silage sur le côté, avec le silo de base, un exceptionnel. Et vous avez bien sûr ici les portes qui s'ouvrent, et là vous avez la stabilisation des vaches. On va essayer de voir, par contre, où menu, le menu animaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a un il y a un partage qui s'ouvre, ça va être là. Voilà, c'est ici. Alors on va en acheter quelques-unes. Euh, on va acheter comme ça. C'est juste euh, voilà ici pour voir. Vous voyez, elle, elle spawn bien ici. Il n'y a pas de souci. De ce côté-là, euh, ce bâtiment il unique, quelque chose de bâtiment là. Ah oui, ah oui, il est sympa ce bâtiment sous un vraiment un coin atelier. Et puis y a du... là il y a du détail les gars. Franchement dedans les gars, je vous le dis, il y a quand même du détail avec la plante et tout, il y a un petit atelier, un coin atelier on va dire plus moto peut-être, je sais pas, il y a, il y a des motos, euh... ouais, pourquoi pas pour faire du roleplay, c'est peut-être pas mal aussi, hein. il y a quand même pas mal de trucs, c'est pas mal de... Franchement il y a énormément de détails, hein. franchement c'est... Waouh, c'est vraiment là un grand bravo pour euh, tout le... Le dé, tous les détails et tout dans, le, dans ce bâtiment là franchement c'est cool la bétonnière là, vous avez des sacs vous avez des, des pneus des roues des ouais, franchement c'est pas mal franchement je, moi j'approuve je, 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 j'approuve ce, ce voilà ici des, des, bah, des bouts de ferraille voilà euh, non franchement c'est propre hein. donc ici le bout de la map s'arrête là mais franchement ce coin atelier les gars moi je dis chapeau il est, il est vraiment très très bien euh, ouais, franchement, un grand bravo pour ça. Parce que c'est pas forcément évident d'avoir l'idée de, de tout mettre comme ça. Ça peut paraître simple, hein, mais c'est pas forcément évident. Faut croire que te... c'est facile. Mais ça se fait plutôt bien. Et... Enfin, ça, du moins, c'est plutôt, plutôt bien fait ici sur cette map là. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, est-ce que tout s'ouvre Non, vous avez juste les grandes portes qui doivent s'ouvrir. Ok. Oh. Ah oui, alors là, par contre, on a une vache qui est déjà dans la salle de traite. Là, mais euh, bon, elle est pas au bon endroit, on va dire. <laughs> bon, bah, c'est qu'un détail. Vous, avez, vous prenez le lait ici, je pense. Ouais, je vois qu'il y a des bidons, c'est peut-être ici pour récupérer le lait. Parce que j'ai pas vu de temps euh, calé. Le temps calé, il serait plutôt à côté, là. Mm -hmm. Est-ce que ça s'ouvre, ça Non, ça ne s'ouvre pas. Ouais, le temps calé devrait être... Je vois qu'il y a des bidons de lait, donc ça va peut-être être ici, je pense. Le lisier, c'est là. Le fumier, par... Ah, par contre, le fumier, je ne sais pas. Uh -huh. Alors, je pense pas que ce soit curable, je ne pense pas. Euh, la fosse à fumier... Euh, la fosse à fumier... Ouais les ouais, yeux ici avec si le fumier se met. Non, c'est bizarre. Enfin, je sais pas. Pour le fumier, dites-moi en commentaire, les amis, si vous savez. J'ai pas regardé plus que ça. Euh... Ouais, ici, si, non, non, il n'y a pas de. Bon, ouais, bah, dites-moi en commentaire, les amis, si vous savez. De toute façon, c'est de... de devant mon nez que je ne le vois pas. C'est possible aussi. Euh, mais ouais, là, tout de suite, pour le, le fumier, je ne vois pas. Donc, les... voilà, les amis, c'était le corps à peu près. Euh, le corps, pardon, de... ferme, pardon, des vaches. Le corps de ferme, pardon, des vaches. Je vais y arriver en train de penser à autre chose en même temps forcément je dis des, je dis des bêtises et donc voilà donc euh, fort sympa franchement je vous le conseille euh, je vous conseille de cette map là les amis si vous voulez des petites maps franchement vous... allez-y foncez la map la Ah, je suis dans les arbres la <laughs> bejoise, elle allez pour vous les gars ici on se retrouve avec un le deuxième corps de ferme avec les cochons euh, ici je dis pas de bêtises avec des bâtiments encore pour faire, faire du stockage de palox pourquoi pas euh, ici avec un bâtiment qui se ferme ou qui s'ouvre, il n'y a pas de porte, ok. Euh... Force sympa aussi. Ici, donc ça c'est bâtiment des cochons. Voilà. Enfin euh, le bâtiment, le... Ah, par contre, on a la nourriture. Ah, la nourriture qui, qui, est... qui est en l'air. Ah, c'est bizarre ça. <laughs> c'est bizarre. Bon, c'est peut-être qu'un petit... Je crois que c'est une bêta en plus, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est la bêta. Donc c'est pas forcément... Voilà. Il y a peut-être quelques petits soucis dessus, ça je ne sais pas. Mais voilà, ici vous avez le coin silo à... À grain. Voilà, silo de stockage. Ah, c'est la même vis que j'ai pris sur ma map aussi. Enfin le, je l'ai pris, je crois que je l'ai pris sur la campagne agricole à l'époque sur la P17. Et c'est le même silo, la même cellule et même la même vis à grains. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez ici le fumier qui doit venir ici, normalement, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, encore des petits, un, petits hangars ici en bois pour stocker. Donc la, la ferme est plus petite ici. Donc c'est normal qu'il y ait moins de bâtiments, hein. ça paraît tout à fait normal, mais voilà. Le niveau des bâtiments plutôt de, des... Enfin du niveau des tracteurs, du matériel plutôt des, plutôt des petits tracteurs ou euh, de taille moyenne, mais pas plus quoi. Voilà, donc là vous avez euh, le petit panneau, voilà, Guy Gaming et euh, Corentin pour le Farm 70 avec le petit drapeau de Bla Black également que je reconnais, que je salue, également dans la vidéo, voilà. Euh, voilà, voilà, ici vous avez euh, apparemment une... Si c'est le bâtiment, bâtiment qu'on a sur Belgique profonde, ça. Euh, enfin, euh, je sais pas si... Ouais, je... Enfin, je l'ai vu ici, donc c'est pour ça que ça me le fait penser. Ici vous avez juste, normalement de quoi... Euh... Euh... Ouais, une, une, un trigger ici pour vider, ok. Ok, ok. Euh... Donc il y avait donc une coop, une petite coopérative là, bien sympa, franchement le bâtiment... Euh... Voilà, voilà. Le bâtiment est bien sympa. Ça va être la station de show, ça également. Euh, donc, quand même, franchement, la map est quand même complète. Hein. Le, puis la petite, le petit bâtiment derrière qui, qui va plutôt bien aussi avec. Franchement, c'est cool. Ça, ça va être le négociant également euh, à animaux. Je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, enclos, les animaux. Poulailler. Ah, là, c'est pour les juste les enclos. Alors, c'est où par contre pour. Euh... Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Moi je sais pas, là c'était le truc pour les enclos. Ah oui, il n'y a peut-être pas besoin, euh, c'est peut-être juste pour les enclos en fait. Un grand enclos, deux grands enclos, trois, quatre, quatre poulets. Ouais, bon ça je connais pas trop, je pas trop regardé ça les amis en fait pour tout vous dire. Ces choses-là, donc je peux pas trop vous, vous dire là-dessus. Vous avez également une zone de, de une zone plaçable ici, où vous pouvez placer un petit peu tous les bâtiments que vous voulez. Alors, regardez, on peut, on peut faire le test. Alors, par contre, ça va peut-être que euh, j'achète cette zone là. Euh, Acheter pour 91 000 euros ça va pas me ruiner ok c'est juste pour vous montrer un petit peu pour vous tester enfin pour... Ouais, pour vous montrer euh, qu'est ce que j'ai un bâtiment à placer euh, un truc sympa je suis pas ouais mais il n'y a pas Enfin, ça, va peut, -être, ça va peut être top euh, peut-être dans divers ah, ici on a pas mal de petits bâtiments sympas euh, pourquoi pas les celui-ci voilà, et là, vous voyez, tout, tout peut venir se placer, bien sûr, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, voilà, juste pour vous montrer, tac, voilà. Ici, et regardez, en plus, c'est... Ah, il souvent, plus, c'est pas... Mais il est stylé, ce bâtiment. Ah, par contre, euh, voilà. Et mais... Ah, mais il est stylé, ce bâtiment-là. Ça, c'est un pack de bâtiments, en fait, que j'avais déchargé, qui était sorti... Enfin, que Pascal, d'ailleurs, m'avait passé. Ah, ok. Des bâtiments sympas, tout s'ouvre et tout, c'est sympa. Vous avez même il y a même le truc intégré pour personnaliser les véhicules et tout, franchement c'est cool enfin, je pense que ça vous le mettre sur mon, sur mon site au pire ce bâtiment. enfin c'est ce pack de bâtiments qui est fort sympa <coughs> donc là vous pouvez même refaire une autre ferme ici les gars franchement vous pouvez faire une troisième ferme ici, pourquoi pas pourquoi enfin je vous donne des idées mais euh, ça, peut, ouais, ça peut faire une troisième ferme pourquoi pas, après vous refaites avec le, mince, le le truc des textures, vous pouvez refaire le sol si vous voulez refaire, mettre de l'air mettre du béton du goudron, de l'asphalte, vous pouvez choisir je crois le avec l'outil pour mapper hein, sur, sur le jeu. Bon, ce pas un truc que je, je, que je fais forcément moi, mais euh, vous pouvez le faire. Et vous créer une, une troisième ferme ici, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Puis il y a quand même, bon les champs sont pas grands, ce qui est normal, mais ce qui est très bien. Mais voilà, il y a quand même assez de champs pour euh, peut-être pour, pour trois fermes, ça peut être pas mal. Moi je vous le dis. Je vous le dis les gars, ça peut être pas mal. Hop, je regarde, je vérifie, vous avez un point de collecte ici pour les poubelles. Ok. Franchement enfin, c'est propre. Hein. La map est très très belle, euh, franchement. Pas mal de champs d'herbe aussi. Donc ça c'est très très bien. Et un petit, vi enfin, entre guillemets, un petit village avec euh, voilà, la ferme principale des vaches ici. Euh, donc voilà euh, donc ouais, les amis, je pense que je vais pas faire plus long pour cette petite vidéo. Euh, je le répète, j'en je ai parlé dans la vidéo de ce mardi, je crois. Euh, mais là je vous le répète encore, les gars. Je serai au salon de... Non pas au SIMA, malheureusement je ne serai pas au SIMA. Mais euh, au salon de l'agriculture, le Alors je crois que c'est le samedi 2 ou le 3, je ne sais plus. Je crois que le samedi 2 mars, je crois, euh, toute la journée au salon d'agriculture. Donc voilà, si vous êtes là-bas aussi à ce moment-là, ce sera peut-être l'occasion de se voir. Si vous me croisez ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas en tout cas à... à venir me voir. Si vous me reconnaissez, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, C'était la petite info, mais je reparlerai peut-être un peu plus. En... Enfin, une petite... ouais, je ferai peut-être une petite vidéo un peu plus euh, pour que tout le monde le sache à peu près. Enfin, tout le monde le sache au, au maximum. Voilà, quand... Mais voilà, si vous passez par là, bah, n'hésitez pas. À, me, à venir me voir, ça me fera vraiment, vraiment plaisir, bien sûr, avec, avec un grand plaisir, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette petite euh, présentation de map vous aura plu, le lien de la map euh, d'origine, enfin, le lien original de la map sera dispo sur mon site internet, bien sûr, cela va de soi, et puis, et puis voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très, très vite les amis, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao